s'il y a bien une Renault qui peut se vanter de faire peur à la concurrence, c'est bien la Mégane RS. En effet, la version Renault Sport de la compacte aux losanges, auréolée de 3 titres de voiture sportive de l'année, peut se vanter d'avoir, par 3 fois, battu le record de vitesse dans sa catégorie sur le légendaire circuit de Nürburgring. Pour savoir la Mégane RS de 4ème génération réussir à nouveau à dominer son segment, il faudra certainement attendre la version Trophy, forte de 300 chevaux. En attendant, Eric m'a vendu la version 280 chevaux, châssis Renault Sport, comme une simple voiture familiale survitaminée. Je m'attendais pas à ce que ce soit si confort pour une voiture qui se veut sport. Enfin, qui se veut sport. Qui est sport. Qui est sport, ouais. Qui est très sport et c'est hyper confort. Et tu sais à quoi ça tient? C'est parce qu'en fait, Renault, dans cette voiture, ils ont utilisé des suspensions avec des petites butées hydrauliques. C'est-à-dire que en fait, c'est comme si tu avais un amortisseur dans l'amortisseur. C'est-à-dire que là où normalement ça tape, tu vois, ça devient un peu dur, et ben là tu as un petit amorti supplémentaire, je schématise. Hein. Mais du coup, c'est ce qui donne, tu vois, là par exemple, on va passer la petite voie ferrée, tu vois, c'est quand même c'est assez doux. C'est doux. Ah, ouais, c'est doux. Ah oui, c'est doux. Ouais, c'est doux. Et puis tu remarques aussi que en termes de confort, puisqu'on parle toujours de ça, bah tu as vraiment tout ce qu'il faut avoir. T'as un super écran, le Airlink là, qui est avec. Gigantesque, c'est une tablette le truc. T'as un tableau de bord qui est complètement numérique avec un écran TFT couleur. Franchement, c'est vraiment de très très belle facture. Et puis l'intérieur de la voiture, bon là, j'ai un petit peu de cuir et d'alcantara sur le volant. Pareil pour les sièges baquets. Baquets. Des vrais baquets, mais qui restent confortables. Ah ouais, ah non, ils sont super. Ils sont échancrés bien comme il faut. Donc voilà quoi, c'est super sympa. Et puis alors après, bah, t'as un bouton RS Drive. T'appuies dessus et là ça a déjà rentré deux rapports sur la boîte auto, ouais, ça sent. Et là d'un seul coup c'est parti mon kiki. Là ça rigole plus du tout, on est vraiment dans une voiture, j'allais dire presque une voiture de course, tu vois. Et ouais, et ça tient le pavé, c'est impressionnant. Ah, t'as 280 chevaux en même temps, 380 Nm de couple, donc il y a vraiment de quoi accélérer fort. Tu remarques qu'il y a du gros frein. Et ouais, ça, c'est super important. C'est du Brembo avec des grands disques. C'est pratiquement des disques de voiture de course. Et forcément, là, c'est une voiture qui est assez, j'allais dire, assez exceptionnelle. Tu sais que c'est une vraie référence en termes de voiture sportive. Hein. Et bah, pour moi, ça le reste. Je trouve que cette voiture, elle conserve ce petit truc en plus par rapport à d'autres. Après, bon, elle a des qualités, des défauts, c'est sûr. Mais elle a ce petit truc qui fait que je suis presque sûr que ça va très très bien marcher. Et là, il y a un truc en plus par rapport aux autres, c'est le Ford Control. Le Ford Control, c'est un système qui permet dans un virage assez serré, là, par exemple, comme celui dans lequel on arrive, et bah, d'avoir les roues arrière qui tournent pour permettre à la voiture de vraiment prendre la courbe, mais comme pratiquement aucune autre voiture est capable de le faire. Ouais, d'être vraiment sur un rail et de tenir vraiment la trajectoire. T'es sur un rail, ouais. Quoi. T'as l'impression qu'elle glisse un petit peu comme ça, c'est pas le cas du tout. En fait, elle épouse la courbe. C'est franchement, je pense que tout le monde va s'y mettre, dont tous ceux qui font de la voiture sportive. Il y a déjà une marque allemande qui s'en sert pas mal, et attention, c'est pas des moindres. Franchement, il y a du 9, il y a du 11. Ils ont aussi de la roue directrice à l'arrière, et c'est à peu près le même système. Là, vraiment, c'est super efficace, quoi. Super efficace. Mais si tu veux, pour moi, une voiture sportive, c'est pas tant une voiture qui accélère fort et une voiture qui tourne vite, c'est une voiture qui freine bien. Et ça, c'est une voiture qui freine bien. Et t'as vu, c'est instantané, ouais. C'est super puissant et en même temps, ça reste dosable. Ouais, c'est franchement, c'est un régal cette voiture. C'est un régal. Moi, je me régale. C'est vrai qu'en matière d'équipement et d'assistance en tout genre, la Mégane RS de 4ème génération ne manque de rien, même si ce sont surtout ses qualités dynamiques qui retiennent l'attention. D'autant plus qu'en mode sport, les enceintes Bose amplifient la sonorité moteur pour augmenter les sensations, délivrées par le 4 cylindres de 280 chevaux et 390 Nm de couple. Et puis t'as une sonorité qui est présente, mais pas entêtante. Non, c'est agréable. C'est un petit ronronnement quand on est en confort. Il y a un petit peu plus vif quand on est en sport. Mais c'est joli. Et ouais. C'est fun. Bon, et comme mine de rien, bon, on n'en est plus à l'époque où il n'y a que les gars qui prennent le volant, tu vois.
Alors moi ce que je me dis c'est que comme je suis un petit peu fatigué de ma journée, tu vois, et de mon essai. Ah t'es fatigué? Ouais je suis un petit peu fatigué. Moi je suis pas fatigué. Toi t'es pas fatigué ça va? Non. Bah dans ce cas là, moi ce que ouais. Si tu veux ce que ouais, ouais, tu vois, tu vois. Dire, ouais. Moi je me dis qu'en fait tu pourrais peut-être nous ramener, tu vois. Oui. Si ça t'embête pas. Bah, hein, on va faire ça. Donc en fait, bah tiens, là je peux m'arrêter. Comme ça, c'est toi qui nous ramènes au bureau. Non mais parce que c'est important quand même. Donc Normandie Paris. Voilà, toi tu ronfles. Bah je vais essayer de pas ronfler mais bon, okay. Faudra pas m'en vouloir, hein. ça peut arriver quoi. Ça peut arriver. Non, on va faire ça. Voilà. Comme ça c'est toi qui me ramène. Oh non, on va être bien. On va être bien, Tintin. Wait! Okay now. From the beginning. J'attends pas les pédales moi. Ah ouais bah faut que tu te rapproches. Ah oui, faut que je me rapproche. Ah oui. Voilà. Voilà, je suis minuscule comparé à toi. Ouais. C'est vrai que t'es un peu minuscule par rapport à moi. Tout petit peu. Ah, par contre, il y a juste un inconvénient, je ne vois pas la bouche. Ah bah alors dans ce cas-là, tu montes ton fauteuil. Sur le côté, t'as une petite manette. Parce que tu vois vraiment, non mais c'est important. Je vois le volant mais je ne vois pas l'horizon. C'est important, c'est important. D'accord, donc je peux. Non, voilà. Et tu la montes comme ça. Ah c'est marrant ça. Hey. Ouais, voilà. Ah c'est bien ça. Ah oui, bon, je vois la route là. Ah tu vois mieux. Ah oui, c'est bien. Voilà. Bon, on est parti Eric. Bah vas-y, c'est parti. Donc, allez, c'est parti, direction Paris. Yes. Alors tu vois ce qui est marrant, c'est que ça se conduit exactement comme une autre voiture. Ah c'est doux l'accélération, mais en même temps c'est... Ouais, tu sens que, ça y va, mais c'est doux. Ouais, ah c'est super. C'est très efficace. En fait c'est à la fois hyper réactif et en même temps très doux. Et exactement la même chose que pour le freinage en fait, l'enchaînement des petits S, ah c'est top. Voilà. Tu remarques que la boîte en plus elle est hyper, douce aussi dans les passages des rapports. Ouais. C'est une boîte EDC, 6 vitesses seulement, ce qui fait que tu as un étagement de boîte tu vois, qui est assez péchu. Non mais c'est vrai que le passage de rapport est assez progressif, on le sent pas tellement. Alors là peut-être parce que je suis en mode confort, si je le passe en mode sport, peut-être que ça va sentir un petit peu plus. Ouais, en fait ça passe les rapports beaucoup plus tard, tu vois, ça va les passer à 6000 tours à peu près. Alors que normalement là ça les passe le plus vite possible quand tu te mets en mode confort. Il y en a plein des modes, hein. Mais bon, globalement tu te mets en mode confort pour avoir de la souplesse sur l'amortissement. Et puis une voiture qui est relativement douce à l'usage. Et puis tu te mets en mode sport, voire en mode race, pour vraiment une voiture dans laquelle tu veux attaquer. Mais ça change, voilà, les lois de passage de rapport, etc., etc. Et puis globalement, ça change, tu vois, la réponse à l'accélérateur. Enfin, ça change beaucoup de choses quand même quand tu changes les modes de conduite. Mais c'est pour des usages un peu spécifiques quand même. Pour un usage de tous les jours, franchement, le mode confort, il est cool. C'est sympa et puis ça consomme pas beaucoup parce que c'est important quand même. C'est pas parce que tu t'achètes une voiture comme ça que tu veux tout le temps être à la tâche et tout le temps consommer de carburant. Ouais, bien sûr, parce que là ça reste hyper agréable. Voilà, je suis pas en train de conduire comme une bête. Ça reste quand même hyper agréable d'avoir la sensation d'être vraiment pour le coup en sécurité. Ah ouais. Moi pour le coup là j'ai aucun souci à me dire que je vais faire Normandie-Paris sans problème quoi. Il y a aucun souci. Si moi j'ai quand même une petite critique, mais bon ça c'est la déformation professionnelle, je vais le donner. Je trouve que ça copie un petit peu la route, c'est-à-dire qu'en fait la direction quand tu vois la route qui est un petit peu dégradée, un petit peu enfoncée quelque part, le volant il a tendance les roues elles se prennent un petit peu dedans, ouais. Ça copie quoi. Et ça parfois ça peut être un peu perturbant au départ quand tu connais pas la voiture. Au bout d'un certain temps, tu t'y fais complètement. Mais c'est vrai que cette direction qui est hyper directe, qui est hyper précise, tu vois, efficace et t'as besoin de très peu, tourner le volant pour qu'elle tourne déjà bien. Eh ben, faut s'y faire un petit peu au départ. Une fois que tu l'as compris, y a plus aucun problème. Moi, je m'y suis bien faite. Eric avait raison. Si cette quatrième génération de Mégane RS reste une très efficace usine à sensations, malgré un moteur un peu linéaire, elle reste aussi une agréable voiture familiale avec laquelle on peut enchaîner les kilomètres sans avoir à prendre rendez-vous chez le kiné. Reste qu'elle n'est pas à la portée de toutes les bourses. En effet, si la nouvelle Mégane RS, châssis Renault Sport, débute à 37 600 €, notre voiture d'essai, équipée de la boîte EDC et pratiquement full option, avoisinait les 45 000 €. We'll be right back.
Ah oui, bah, faut que tu te rapproches. Ah oui, faut que je me rapproche. Parce que la hyène ne voit pas la route. Ok, donc là j'ai plus qu'à accélérer, on est d'accord. Hein. Ouais, t'as plus qu'à accélérer. Non, mais j'ai jamais conduit de boîte auto, c'est pour ça. Bon, bah, je vais laisser passer le motard. Ouais, c'est mieux. Soyons sympas. Soyons sympas. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, c'est lui le motard. En fait, de... Non, non, mais t'es gentil toi. Oh, un RY6. Oh, ouais. Alors ça c'est de la compète ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, tu vois bien là au niveau de l'équipement, il est compète. Il a des grammes, hein, je crois. Hein. Il a des grammes. Il a plusieurs grammes. Au top.